présentée comme la plateforme qui permet de trouver et d'aborder les problématiques qui touchent directement la jeunesse. Le Salon de la jeunesse, de la motivation et du leadership a eu sa première édition le 7 décembre 2019 à la Kestab 6 à Abidjan Plateau. Ce samedi 11 décembre 2021, au Centre national des métiers scientifiques d'Abidjan Cocody, s'est tenue la deuxième édition du Young Leaders Meeting placée sous le thème Entrepreneuriat, Leadership, Autonomisation de la jeunesse. Cette cérémonie a débuté par l'allocution d'ouverture du commissaire général Madame Marie-Noël Anazé, suivie d'une série de panels effectués par Mac Wilfried Chikoun, coach, Yannick Otto, coach de motivation et de développement personnel, Sarah Axel Seya, communicatrice, Kedja Paul Alfred, acteur humanitaire, et Steve Essis, président du RID, avec la même fiche de route qui est l'expansion de l'entrepreneuriat des jeunes Africains et particulièrement des jeunes Ivoiriens. Le leadership reste le levier par excellence par lequel la jeunesse pourra prendre son envol et réaliser de grandes choses, peu importe le domaine dans lequel elle se trouve. Ainsi, le Young Leaders Meeting se veut être le moyen pour permettre à ces jeunes d'y arriver. Cette cérémonie s'est soldée par une photo de famille annonçant les grandes perspectives pour les prochaines éditions. On apprend beaucoup, ça nous aide, ça nous motive, surtout pour les personnes qui ont des idées à développer. Ce fut ma première fois de participer à un tel salon et pour ma part, j'ai vraiment apprécié cela. C'est un plus à mon apport personnel que je viens de recevoir et j'en suis ravi. Je tiens de prime abord à dire infiniment merci aux organisateurs de cette conférence-là, parce qu'il est important pour nous en tant que jeunes de pouvoir échanger en nous jeunes et traiter aussi les thématiques liées à la jeunesse. Et je pense que c'est de telles initiatives qu'on doit accompagner et c'est pour ça quand j'ai été associé au nom du RID et à mon nom personnel, nous avons vraiment décidé de pouvoir associer notre image et accompagner l'initiative. Donc j'ai vraiment de très bonnes impressions et je retourne vraiment satisfait pour savoir qu'il y a des jeunes qui ont le sens de responsabilité et qui sont prêts à faire bouger les lignes sur notre continent et pour que notre pays aille mieux de même que notre continent. Cette initiative-là participe même à l'essor, à l'émergence des entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier. Franchement, on a besoin de rassembler ces jeunes pour leur parler de leadership, leur parler d'entrepreneuriat. Ça sera ces notions-là, ces armes-là qui leur permettront de pouvoir éclore en fait dans leurs différentes entreprises. Donc c'est très important. L'éducation, c'est très important, c'est une force. Ça a vraiment été périlleux, voilà. Ça n'a pas été facile, mais vu l'abnégation de tout un chacun ici, franchement, on ne peut qu'être encouragé à continuer. Ce genre d'événement-là, les gens ont tendance à sous-estimer, mais après, il y a des jeunes qui aspirent vraiment à trouver leur voie. Voilà. Et si nous sommes quelque part un moyen de les aider à atteindre leurs objectifs, je crois que c'est la plus grande satisfaction à notre niveau. Donc je pense vraiment que le processus est en marche et nous allons arriver à destination. Je retiens de cette deuxième édition que il faut continuer, voilà, il faut croire en soi. Vraiment, tout ce que je retiens de ce que les panélistes ont eu à dire, c'est vrai qu'ils étaient différents dans différents domaines, mais nous ont vraiment incités à continuer, à croire en nous, parce que c'est nous seuls qui avons la possibilité de réaliser nos rêves. Et donc, rêvons grand.